Ça sera un peu compliqué de revenir en arrière. Mais bon, voilà, pas de choix, il faut tenter. Je vais maintenant aborder la problématique de l'agencement des équipements mécatroniques dans la cellule de l'aéromodèle. Donc, en termes d'équipement mécatronique, on a les servomoteurs qui sont déjà installés sur le puffin, le récepteur, le SC et enfin la batterie qui constitue certainement l'élément le plus difficile à intégrer du fait de ses dimensions. Le câblage de l'ESC et des servomoteurs peut également être une source d'encombrement. L'objectif, c'est d'avoir une installation radio, une installation des éléments mécatroniques, qui soit la plus propre possible et surtout dont on soit sûr qu'il n'y ait pas d'interaction mécanique entre les différents éléments, également que ces éléments soient fixes et qu'ils ne puissent pas bouger ou se déplacer lors des différentes phases de vol de l'avion. Alors, afin de fixer la batterie dans l'aéromodèle, il faut disposer d'une pièce intermédiaire qui est le support de batterie. Donc, ce support de batterie actuellement n'existe pas dans le puffin. J'ai donc dû le fabriquer. Voici donc le support de batterie tel que je l'ai fabriqué. Donc, je me suis servi d'une plaquette de contreplaqué de 2 mm d'épaisseur sur laquelle j'ai fixé à la sciano deux petits morceaux de longeron en balsa qui vont servir à positionner et également à coller le support dans le fuselage du puffin. J'ai ajouté, mais collé également à la cyano, ces deux profilés plastiques en L qui vont servir un peu de guidage lors de la mise en place de la batterie. Et ensuite, j'ai disposé de ce scratch qui va permettre de faire la liaison entre le support et la batterie, sachant que cette liaison doit être facilement démontable en vue de sortir la batterie de l'avion pour la recharger ou tout simplement pour mettre une nouvelle batterie pour un nouveau vol. Et j'ai également disposé ce latch afin de sécuriser le positionnement de la batterie avec le support. Voilà, donc si on fait un montage à blanc, on va voir la batterie qui va venir se fixer sur le support grâce au scratch. Et l'assemblage va être sécurisé au moyen du latch qui lui est collé à la colle époxy en fait sur la plaquette et sur les profilés. Alors, dans le cadre d'un montage à blanc, les choses ont l'air de se présenter plutôt facilement. Il faut bien voir qu'une fois que le support sera collé dans le fuselage du puffin, la manipulation sera tout de suite moins aisée, notamment du fait que le support batterie va se retrouver en dessous des servomoteurs qui sont à peu près à cette hauteur-là. Et en fait, y a très peu de marge entre le haut de la batterie et le bas des servomoteurs. Mais d'après mes estimations et les différents montages à blanc que j'ai pu effectuer, ça devrait passer. Maintenant, il n'y a qu'une seule façon de le vérifier. Bah, c'est de procéder au collage du support dans le fuselage et d'espérer que tout se passe bien, sachant que
Ben, si jamais pour une raison ou pour une autre ça devait mal se passer, après un collage à la colle époxy du support dans le fuselage, ça sera un peu compliqué de revenir en arrière. Mais bon, voilà, pas de choix, il faut tenter. Voilà, le collage du support batterie dans le fuselage a été effectué, donc avec de la colle époxy 5 minutes. Donc maintenant, la colle doit avoir suffisamment polymérisé. Donc la mise en place en définitive n'a pas été trop compliquée. Et donc on a bien le support batterie collé au fond du fuselage du Puffin. Voilà, et là j'essaie de vous montrer qu'il y a effectivement pas beaucoup de place pour glisser la batterie en dessous des servomoteurs. Donc voilà, le collage est effectué. Et bien maintenant, c'est l'instant de vérité. Je vais vérifier la facilité avec laquelle je peux intégrer la batterie dans le fuselage. Allez, j'essaie de vous montrer ça. Alors c'est vrai que ce qui est un peu compliqué, c'est que le fuselage du Puffin n'est pas forcément étroit, mais en fait il est tout en hauteur. Et donc c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour bricoler dedans. Là, il va falloir que je prévoie, j'ai l'impression, des outillages un peu spécifiques pour intégrer correctement la batterie. Voilà. En tout cas, là, c'est passé. Donc, la batterie est bien à sa place sur son support. Et maintenant, j'essaye de mettre en œuvre le latch pour sécuriser une fixation. Voilà. Bon, bah finalement, c'est pas trop mal. Voilà, on a bien la batterie qui est dans le fuselage. Alors, je suis assez satisfait du résultat, mais bon, je ne crie pas encore victoire trop tôt, dans la mesure où eh ben, tous les équipements ne sont pas encore présents. Et que voilà, la mise en place de la batterie, bon, voilà, ça se passe bien, on va dire. C'est pas idéal d'accès, mais je pense que c'est comme ça dans un certain nombre de modèles, et il faut faire avec. Bon, en tout cas, voilà, la fixation de la batterie dans le fuselage, c'est une affaire réglée. Et voilà, oui, il n'y a pas de souci. Même si jamais je fais du vol d'eau avec le Puffin, ce qui, à mon avis, va pas se faire tout de suite, eh ben, ça a l'air d'être possible. Voilà. Ok, donc pour la batterie, c'est réglé. On peut passer à la suite. Allez, tant qu'à faire, je vais aussi vous montrer dans quelle mesure il est facile de démonter la batterie. Donc, dans un premier temps, il faut dégrafer le latch. Voilà. Ça c'est fait. Et ensuite, décoller la batterie du scratch. Alors c'est là le problème, c'est qu'elle a un câble d'alimentation qui est un peu court, qui a tendance à la coincer. Il faudra que je le rallonge. Voilà. Ensuite, le problème c'est de faire lâcher prise au scratch, étant donné que du fait de la présence des servomoteurs, je peux pas lui faire prendre beaucoup d'angle. Mais voilà, on arrive quand même à la sortir. Donc j'espère que une fois que l'ensemble des équipements seront présents dans la cellule,
et bah, que ce soit pas trop galère quand même à sortir la batterie. Mais voilà, de toute façon, je pense pas qu'il y ait possibilité de faire mieux. Et donc, on va faire avec. On passe maintenant à la fixation du récepteur dans le fuselage. Donc c'est pareil, il faut une liaison qui soit facilement amovible, bien qu'on ne va pas le démonter souvent. Mais voilà, il faut que ça reste une pièce facile à retirer de la cellule. Donc c'est pareil, j'ai opté pour un système de scratch. Et au niveau du fuselage, j'ai ajouté cette plaque de contreplaqué d'épaisseur 2 mm, la même qui m'avait servi pour le support batterie. Et de ce côté-là, j'ai disposé l'autre partie de scratch. Et donc, je peux maintenant facilement positionner le récepteur dans la cellule. Voilà. Bon, il se trouve qu'en plus j'ai eu de la chance, étant donné que la longueur du récepteur coïncidait avec la largeur du cadre. Voilà. Donc pour la fixation du récepteur, donc je l'ai mis en position verticale. J'avais pas d'autre solution en fait, parce que je n'avais plus de surface horizontale sur lequel le disposer. Donc j'ai choisi de le mettre en position verticale. Et voilà, a priori ça ne gêne pas la mise en place de la batterie. Voilà, il reste donc encore le SC à faire rentrer dans la cellule. Alors pour ce qui est de l'ESC, ça va être le même principe que pour le récepteur. Donc c'est également une pièce qu'on ne va pas démonter souvent, mais voilà, qu'on doit pouvoir séparer assez facilement de l'aéromodèle. Donc à nouveau, j'ai utilisé une solution sur la base de un système de scratch. Voilà, que j'ai disposé à l'arrière de l'ESC. Et à l'avant du cockpit. Et il se trouve que bah, là aussi, par chance, l'ESC se positionne. Voilà, la longueur de l'ESC permet de le positionner tout juste à l'avant de la cellule. Voilà. Voilà pour le SC. Donc c'était le dernier élément à intégrer. Donc maintenant, on a l'ensemble des éléments mécatroniques qui sont présents dans la cellule de l'aéromodèle. Donc les servomoteurs, le récepteur, le SC et bien sûr la batterie dans le fond. Voilà qui clôt la partie intégration des éléments mécatroniques dans la cellule du puffin. Donc voilà un peu ce que ça peut donner une fois que tous les branchements sont effectués. Alors bien sûr, il y aura un petit peu d'optimisation à faire, notamment pour la répartition du câblage. Mais voilà. Tout est intégré. Et donc là, bah, ça peut fonctionner tel quel.